Salut! Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une astuce qui vous aidera tout simplement à ne plus jamais bloquer quand vous parlez le français. Quand vous parlez, vous avez un peu de temps pour réfléchir. Il faut donc que les mots vous viennent facilement. Et malheureusement, le constat que j'ai pu faire, c'est que vous avez tendance, les apprenants de FLE ont tendance à vouloir faire des longues phrases. Et le problème avec ça, c'est quand il faut parler et enchaîner les parties de vos phrases, eh bien, vous vous retrouvez perdu parce qu'il vous manque quelques mots de vocabulaire très utiles que vous devez absolument connaître et savoir comment les utiliser. Et ce manque de vocabulaire est l'un des obstacles qui crée des blocages à l'oral et qui vous empêche de parler sans bloquer. Alors, quels sont ces mots qui vous manquent et qui expliquent que vous ne parlez pas avec fluidité? Ce sont tout simplement les mots que nous employons pour relier deux parties d'une même phrase. Et si vous ne connaissez pas ces mots, si vous ne savez pas comment les utiliser, eh bien, vous allez forcément vous retrouver bloqué, coincé en plein milieu de vos phrases. Il s'agit des fameux pronoms relatifs qui, que, quoi, dans, où, lequel, auquel et duquel. Et s'il vous manque ces mots, vous aurez peut-être du mal à trouver un moyen différent d'expliquer ce que vous vouliez dire. C'est pour ça que je vous recommande d'aller regarder des vidéos qui traitent ce point de grammaire, parce qu'à force d'entendre ces mots dans des phrases, vous allez développer des réflexes. Et ces pronoms deviendront naturels pour vous, ce qui vous aidera à ne plus bloquer quand vous parlez le français et que vous voulez exprimer certaines idées un peu complexes.